Bonjour, on est dimanche 25 novembre 2012 et je suis là. Je n'ai pas suivi vos conseils de me reposer, de ne pas faire toutes les choses qu'on me demande de faire. Vous avez vu pendant la semaine qui est écoulée, il est vrai que j'avais mis à mon programme, et encore je n'ai pas tout mis, je n'ai pas tout annoncé parce qu'il y avait des conversations, il y avait des conversations qui sont des conversations très intéressantes, qui débouchent sur des projets, un projet de modélisation. On va essayer, on se revoit le 7 décembre pour essayer de mettre ça au point. Un projet de film, un projet de film. Je vous ai pas parlé de ça non plus parce que on n'est pas encore très très loin, mais il y a beaucoup d'enthousiasme. Et puis le thème, ah, c'est le meilleur thème qu'on puisse imaginer. Vous pouvez deviner, allez, essayez de deviner ce que c'est. Enfin voilà. Et j'ai continué. Bon, il est arrivé, c'était au Botanique, j'ai pas pu aller. Alors je vous assure que quand je dis que je peux pas y aller, c'est vraiment parce que je ne peux pas y aller. Je ne vais pas vous donner des détails techniques, mais si j'avais été là à l'heure où j'avais dit que je serais, ça n'aurait pas été beau à voir. Bon, alors on passe, mais ce dont je vous parlais, parmi les choses que j'avais annoncées et les choses qui ont fait très plaisir, d'abord ça m'a fait très plaisir de parler de philosophie, qu'il y avait d'excellentes questions qui m'étaient posées et qu'il y avait un public lillois, et puis certains d'entre vous que je connais, qui sont venus parfois d'assez loin quand même pour m'écouter. Et à la fin de l'exposé, il y a deux personnes qui étaient là devant moi, un monsieur et une dame, qui ne se connaissaient pas, mais en même temps, ils avaient la même demande, et ils se sont soutenus l'un l'autre pour insister, pour dire, s'il vous plaît, rendez-nous la vidéo du vendredi. Alors la vidéo de vendredi, honnêtement, c'était l'épuisement qui m'avait conduit à la supprimer parce qu'il y avait trop de trucs. C'était surtout avec le début du cours. Et comme vous le savez, c'est pas simplement un cours. Il y a des panels, il y a des tables rondes. Et là, celle qui a eu lieu jeudi était particulièrement passionnante. Enfin, la première l'était déjà, celle-là aussi. J'espère, malgré la caméra fixe, qu'on ne perdra pas trop au fait que qu'il y a des gens qui sont intervenus de la salle et qu'il y a une discussion tout à fait très intéressante qui s'est développée. Alors, ce panel était très intéressant. La conférence de Sedlacek, qui n'a pas été enregistrée, aussi, c'était un très grand moment. Il faudrait que je vous en parle de manière plus précise de sa métaphore du système capitaliste comme maniaco-dépressif, comme alternance maniaco-dépressive, et insistant sur le fait que quand on est dans la phase maniaque, ça ne veut pas dire qu'on soit dans le bon. C'est une métaphore très très forte et qu'il a pu illustrer de différentes manières. C'est dommage que vous ne pourrez pas le voir. Son livre est disponible et on trouvera d'autres occasions. Nous sommes rendus compte que nous étions vraiment sur la même longueur d'onde et on s'arrangera pour se revoir et pour faire des choses ensemble. Alors, la vidéo, on va la refaire. Dès que j'émerge un petit peu d'une fatigue excessive, eh bien, l'enthousiasme est là parce qu'il y a ces projets, parce que le fait est que ça bouge au cours même de cette semaine. J'ai eu l'occasion aussi de parler à des personnalités importantes de la finance. Et j'ai le plaisir d'entendre que certains de mes arguments qui paraissaient un peu bizarres ou un peu inattendus à première vue font leur chemin et comme la conversation se termine et qu'on me dise il faut que j'y pense sérieusement. Voilà. Alors, voilà. Le problème, c'est qu'effectivement, moi, je n'ai pas cette capacité de ralentir, malheureusement, et je ne ralentis que quand le corps ne suit plus. Mais on va repartir sur cette idée de vous êtes certains à Bruxelles qui ont suggéré que vous pouvez mettre du matériel à ma disposition pour que quand je sois là, je puisse faire des vidéos dans de bonnes conditions. Je reprends contact avec vous dès que je suis à Bruxelles. Quand je suis en Bretagne, eh ben, je peux utiliser l'ordinateur ici pour le faire.
J'ai fait des choses assez acrobatiques dans le passé pour m'assurer de faire la vidéo du vendredi. Et je recommencerai. Et avec la petite annonce que je vous ai faite, si un jour elle n'est pas là, c'est que vraiment ce n'était pas possible. Mais je m'arrangerai pour que dans la plupart des cas, ce soit faisable, même dans ces conditions un peu compliquées qui ont été celles de vidéos précédemment. C'est la sincérité avec laquelle donc deux d'entre vous et l'un s'est présenté et il est un des contributeurs tout à fait réguliers ici du blog avec ses petites remarques caustiques. La sincérité avec laquelle vous m'avez demandé de repartir dans cette vidéo du vendredi m'a convaincu qu'il fallait le faire. Alors, on va le faire. Ce ne sera pas comme aujourd'hui, simplement une annonce du retour. Ce sera sur les questions qui se seront posées au cours de la semaine, de la manière dont s'occupent les gens au sommet de mettre les choses, de remettre les choses en place. Il y aura encore beaucoup à dire, malheureusement, mais j'espère que chaque fois, je pourrais aussi dire que les choses vont donc quand même dans la bonne direction. Bien sûr, il y a plein de choses qui nous suggèrent qu'elles vont dans la mauvaise direction, mais ce n'est pas nécessairement aux endroits qui importent. Aux endroits qui importent, je crois qu'il y a un mouvement qui avance. Et vous l'avez vu, on essaye de parler de tous les endroits où les choses avancent contre ce vieil ordre mourant. Si vous avez l'occasion, à propos de cette vieille ordre mourant, si vous avez l'occasion de regarder dans l'édition du week-end du Monde un article sur les super riches, et on en interroge quelques-uns sur la manière dont ils voient les choses, et oui, vous savez, si on pouvait interviewer les dernières tortues géantes des Galapagos, elle tiendrait des propos du même genre. Alors, évidemment, toute la richesse est concentrée au niveau de ces gens qui, donc, quand ils ont quelque chose, quand on leur demande de dire quelque chose, disent des choses tellement affligeantes que ce n'est certainement pas le mérite qui leur a mis dans leur... Ce n'est pas une question qu'ils sont payés pour la qualité de leurs propos, certainement pas. C'est un florilège. L'article n'est pas fait pour se moquer d'eux, on les prend très au sérieux, mais je crois que vous comme moi ne pourrez pas vous empêcher, en lisant ça, d'éclater un éclat de rire. C'est plus de ce côté-là qu'il faut attendre quelque chose. Si, il y a Monsieur Pierre Berger, il y a Monsieur Pierre Berger, lisez-le, c'est un monsieur qui a toujours fait des choses intéressantes, qui continue. C'est notre, je dirais, c'est notre Warren Buffett national. Lisez ce que lui dit de cela et du regard navré qu'il porte sur ses confrères et consoeurs, gens super riches. Je dirais, sa tristesse est communicative. Voilà, allez, donc la prochaine fois, c'est vendredi, à moins d'un obstacle tellurique. Voilà, à moins qu'il y ait un obstacle tellurique. Alors bon, vous me direz que j'ai encore l'air un peu fâché, pardon, je suis encore un peu fatigué, c'est vrai, je ne suis pas encore tout à fait en pleine forme, mais j'ai voulu vous donner ce message de c'est reparti, c'est le retour de la vidéo du vendredi. Voilà, à bientôt.